Ils sont venus donc l'accueillir avec en tête de file aussi son chef de protocole qui est là, Samuel, qui est donc suivi de Patrick Magic Mboma et Rigobert Song. Et juste derrière eux, il y a aussi Vincent Aboubakar, le capitaine de l'équipe nationale du Cameroun. Tous sont donc là, on l'a compris hein, désormais. La CAN est définitivement lancée pour le Cameroun. Samuel Eto'o qui voilà, est pris par une dame certainement du comité d'organisation. Il s'échange des petites civilités, c'est très important. Rigobert Song qui va suivre directement. Et du côté de l'avion, on peut l'apercevoir à l'instant. Les joueurs aussi se succèdent les uns après les autres. Nathan Douala en tête de file. Notre ami de la Dynamo de Douala, en l'occurrence Lionel Ateba lui aussi, Fabrice Ondoa. Tous sont donc là, Ben Elliott Djongwe aussi, on peut l'apercevoir. Les Lions sont là, ils sont désormais en terre ivoirienne. Et c'est ce grand moment qui lance donc définitivement cette compétition pour les Lions. Parce qu'il faut le dire, oui, il y a le jeu sur le terrain, mais il y a aussi des moments forts qui marquent effectivement ce genre d'événement. Et cette arrivée de l'équipe du Cameroun montre clairement qu'on est désormais dans cette compétition et que les hostilités peuvent définitivement être lancées pour l'équipe du Cameroun. Allez, là on peut les voir, ils arrivent les uns après les autres. Yvan Neyou, Georges Kevin Koudo, Malcolm Bokele, Enzo Chato, ils sont tous là, Olivier Ncham, Karl Tokoye Kambi, Chamade, Christopher Wu. Avec ses nombreux supporters hein, qui eux aussi ont Allez, on voit les visages hein. Ils nous semblent vraiment très concernés par l'événement. On sent Yamsoukro qui souhaite le traditionnel Akwaba à l'équipe du Cameroun qui est là. Et tous à l'unisson chantent le Bonebo, l'entraîneur qui salue l'ambassadeur de Côte d'Ivoire. Du Cameroun en Côte d'Ivoire, son Excellence Marie-Yvette Coloco. Et voici la Kwaba. Les Ivoiriens accueillent les Lions Indomptables. Ce qui annonce une CAN hospitalière. Les Lions Indomptables du Cameroun qui sont là, c'est pas de l'abusement. Ils sont là. La Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de la vraie fraternité, accueille ce mercredi 10 janvier les Lions Indomptables du Cameroun venus prendre part à la Coupe d'Afrique des Nations qu'organise ce pays de la vraie fraternité. Un reportage de Stéphane Betty. Tous les employés de l'hôtel président sont sortis. On dit à quoi va, à quoi va, à quoi va le beau des beaux. Et c'est
Fifoire, le plus jeune joueur de cette compétition. Les lions indomptables du Cameroun qui sont là. La fanfare est aussi. Quoi va qui est souhaité au lion indomptable.